الله أكبر، الله أكبر. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. Je crois vraiment en Lucifer. J'ai son nom tatoué sur le torse. Sataniste, gay, inventeur du Hollywood trash et surtout grand gourou du cinéma underground américain, Kenneth Anger préfère se définir comme un mage des images plutôt que d'être rangé sous l'appellation bêtement réductrice de réalisateur. Pour ce Californien de 81 ans, féru d'ésotérisme, le cinéma est un rituel magique. C'est comme si je jetais un sort au public. Mais ça, n'importe quel bon artiste le fait. Je pense qu'actuellement, je suis, on peut appeler ça, étudiant dans l'occultisme. Et je commencerai à devenir initié du moment où j'aurai trouvé un maître. Enfin, du moins, le maître m'aura trouvé. Le satanisme, c'est l'adoration d'anciens dieux païens sous de nouveaux noms. Le sataniste ne croit pas aux dieux de l'Église catholique, il ne croit pas aux dogmes de l'Église catholique. Il pense que la Bible des catholiques est un tissu de mensonges. Dans certains cas, il y a des rituels parce que certains satanistes pratiquent une magie. Certains autres voient le satanisme comme une religion. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas un satanisme, mais des satanismes, qui parfois sont différents, même peuvent être totalement opposés. Donc ça veut dire quoi, être attiré par la mort? On y passera tous un jour. Ouais. Mais je pense qu'après la mort, il doit y avoir autre chose. Et j'espère que ce sera bien mieux que maintenant. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Jusqu'à la fin. Et même après. Et même après. Justement, j'ai oublié de vous demander, est-ce que vous êtes croyant? Non. Oui, mais pas dans la même chose que les gens. Voilà. On a nos croyances. On a une croyance. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Quoi, votre croyance? Il y a quelque chose. Mais quoi? Pas de bon, pas de mauvais. Mais il a pris la mort, voilà. Ça j'en suis sûr et certain. J'espère qu'elle sera bien meilleure la suivante, j'espère. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة
والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. Sur les autobus de la STM, ça dit « Dieu n'existe probablement pas ». C'est toute une déclaration. A-t-on besoin de dire qu'on est athée et de dire que Dieu n'existe pas? Est-ce que Dieu existe? Je ne crois pas en Dieu. Moi, je m'affiche ouvertement comme un athée. Même, je suis le même jeu de mots depuis des années. Je suis athée comme une cuillère. Mais moi, pas, j'affirme haut et fort, Dieu n'existe pas. Et au contraire, il n'y a rien en plus loin que ça. Il n'y a rien avant puis il n'y a rien après. Et ça, je trouve que là-dedans, il y a un message extraordinaire d'espoir en ce sens que le court laps de temps qu'on a, pour moi, c'est un devoir que de bien le vivre parce que c'est précieux, parce que c'est pas juste un en attendant le bonheur.